Non, t'as l'aime des petits, puis celle des gars en paix, qui te les paix le garec. Il te petit quoi en bois, sous l'estomac lui. Il tape marché tout côté, dénoncer injustice, dans l'époque qui était difficile, essayer des peuples là. Mais en bas quoi ça, dans le cœur, il te bon gros cœur en or. Côté tout le monde te senti que paix ça a le monde, que la travail pour la société. Que l'envie va changer pour tout le monde, surtout pour les vidéos. Ça qui t'a passé misère. Quand il y a ça qui passait, côté pile sœur, que bandit kidnappé. Dieu seul sait qui ça et mon ça va traverser et je dis à là. Dieu seul sait qui ça méchant a fait au passé. Et je dis à faut qu'on t'a demandé, monsieur l'église catholique, yo. Gros monsieur monseigneur, n'est qu'à définir. Politique l'église là. Monsieur ça, côté type de prêtre ça, côté monseigneur ça. C'est comme si qu'on y a là, y'a un cœur en roche et pour un gros quoi en or sous l'estomac. Il ne pas si ça Jésus-Christ est vrai. Donc, m'a demandé l'église catholique, révélez-nous. Disons bagaille. Suspend. Silence noir, son silence criminel lié, son silence complice. C'est deux voix, non? Si nous disons c'est serviteur, bon Dieu, si nous disons suivre l'exemple Jésus-Christ, c'est deux voix, non? Pour nous dénoncer ça que tu veux dénoncer. C'est deux voix, non? Pour nous camper avec le peuple, là. Guy Philippe est d'abord et avant tout un militaire. Il est dans le métier des armes. Le 17 décembre 2001, le digo équipe Med qui est entré dans le palais et qui a tenté de faire un coup d'État sous Jean-Bertrand Aristide. Tentative de coup d'État, ça a raté. Il y a au moins 5 personnes qui mourent. Plusieurs assaillants, je veux bien, rentrer dans le palais. Sur le pouvoir, c'était Guy Philippe qui était à la tête. Il dit sur le pouvoir. Après ça, plus de 20, ça s'est passé. Nous sommes en 2001. Ou 2001. Et ça a rentré pour tenter pour renverser Aristide. Mais rentré à 2h30 du matin. Haïti débat. T'es dans l'assaillant ça, t'es des gens qui t'ont parlé. C'est là, c'est nous qui avons fait. T'es des gens qui t'ont parlé espagnol. Il est rentré dans la cour, il est rentré à bord de deux pick-up. Il a fait exploser une grenade. Scoop. Et il a fait des rafales, balles automatiques. Gros âmes captivées en la balaya. Gros même commandé que a retrouvé mouri dans la cour. Après, on s'attaque ça. Plusieurs milliers de monde pour la rue. Parce que pas oublié, non? Jean-Bertrand Aristide, populaire, pas joué non. Haïti débat. Et beaucoup ouais dans l'histoire, beaucoup ouais dans bah, ça qui est une équipe populaire parce que Jean-Bertrand Aristide a fait garder même sous contre la valance ou a dissolu. Mais ça me déconne, ça me déconne. T'as fait chaîne pour lever sur roi, t'as fait crier toute la journée. L'époque de ta mina, mina crié, a fait de popularité ça son bail incontestable. Maintenant. Des deux policiers qui mourent, voilà. Des six qui blessés, des deux passants, six policiers qui blessés, des deux passants qui mourent, des même commandant que je mourir à la cour, ça me dit. Après, annonce attaque ça, nous prenons la rue. Nous te gagnons nos manchettes, bâtons, revolver, et rassemblés devant Palais. Haïti débat. Nous tellement excités. Manifesté, on dit tout journaliste déplacé. Il a attaqué journaliste Radio Métropole, il a attaqué journaliste Caraïbe, crasé vite machine des Caraïbes à l'époque, tout nègre obligé de jeter. Parce que là où il y a chaud, peuple a souverain. Pour comprendre ce qui a passé. Pour les gens qui disent que Guy pas candidat à la présidence, vous green bagay moi m'a répondu. Il faut attendre le décret électoral.
Et décret électoral là seulement qui pourra dire si qui est candidat, si qui pas candidat. Débat ouvert, plusieurs juristes, propositions contradictoires. Seul décret électoral là capable de dire qui ça pourrait passer qui et pour le moment pour un décret électoral. Et si Guy pas candidat, qui a venu Guy? C'est ma grande question. Hein? Bon, question fondamentale. Toute légitimité Guy, l'Ichita, ça se dit sous le fait que Guy bâtit popularité là, je dis, sous question insécurité que lui-même n'a résolu. Scoop! Puisque Guy, ce problème ça, si vous bien que le cas résout, un gros problème sérieux posé. Si le cadre arrivé, force de soutien, cap vin mettre sécurité, aider mettre sécurité, force à entrer, le résout problème insécurité, Guy pas vont faire tu de paille. Parce que le discours n'a pas servi. Là, ça, c'est pas résolution, c'est pas solution au problème insécurité qui pourra le poser comme problématique. Qu'on y a ça qui comme discours, c'est l'élection. Mais ça l'oblige à changer le discours. Parce que le dédié ne peut pas parler de l'élection. Qu'on y a l'oblige à dire, suite à la situation, ça, il pourra aller dans l'élection. Donc, succès futur qui dépend de force multinationale là, toute force multinationale n'a pas venu. Qui a plus proche pouvoir, la plus capable de prendre pouvoir. Mais depuis force multinationale là, rentrer, qui a obligé qu'on l'autre type de comportement, qu'on l'autre type de discours, et la obligé de rentrer dans le livre pour le même candidat. Il y a tout candidat. Donc, avenir qui dépend de la force multinationale. En cas de succès de la force, qui a perdu plume. Pour le moment, tout le monde a parlé de Guy à cause de son discours. Donc, l'avenir de Guy est lié à la situation chaotique. L'avenir de Guy. Le chaos est profitable à Guy. Toute situation pacifique et toute solution en pour qui résout le problème insécurité a, la diminué capacité Guy à prendre le pouvoir. Qui dit la paix dit élection. Qui dit élection, il n'y aura pas de révolution. Donc, mais avenue pays a, mais émission spéciale que nous préparer pour nous comprendre Guy Philippe. Vous écoutez votre radio. Nous pas besoin 107.7 FM stéréo. Jouer pour fond bon bagaille. Comment nous pas comprendre ça qui a passé là. Et grand pile monde là qui a félicité. Si force là rentrer. Sur l'autre pays, sur l'autre discours. Haïti débat. S'il pas rentré, c'est Guy qui a un personnage qui est plus important en Haïti. Et quand pile monde qui pas jeune, et puis après, l'opposition a mouru pour contenir c'est Guy. C'est Guy qui prend le pouvoir. Maintenant, si Guy pas prend le pouvoir, il doit éclipser Ariel Rapide. Si Guy a pas rentré, même gens, pour répéter l'histoire, pour passer le pouvoir au monde, pour mettre Guy dans leur dynamique. Une dynamique électorale. Parce que depuis qu'il y a l'élection, Guy n'est pas le même personnage encore. Et c'est ça qui fait. Il faut Guy construire discours de manière pluridimensionnelle. Il faut l'attendre que la situation a changé. Et il faut un discours qui répond à la convenance population en fonction de ça qui va passer dans le pays. C'était avec vous donc, Gary Pierre-Paul Charles. Merci. Au revoir tout le monde. Donc, l'arrivée, je pense que le peuple là, elle va prendre le son, elle va comprendre.
mais peuple a cherché un leader qui est capable de solutionner le pays, problème qui est dans le pays à voler. Depuis le pays a une solution, depuis le pays a absolu démocratique, le ça nous tout net à bon seul voix pour aller dans l'élection. En tout cas, la révolution a une propre définition. Dans 10% de la population, nous avons 10% que tu connais et Rababou. Haïti débat. Hein? Haïti débat. Très simple, très simple, mal expliqué. Mal expliqué. Conseil de sages là, il était gagné à Marie Saladin. Qui sait? Directrice générale Radio Signal. Le Sam, c'est directeur de formation moi-même, Radio Signal. Je compte toute nouvelle. Et là, il est déplacé pour venir dans la réunion avec Marie. Je ne suis là. Tu as un scoop là? Non, non, tu as un signal là. Donc, je dis pour ça, je dis pour quitter la donne. Ok? Mais bon, il y a des informations encore. Là, il y a finement interdit à la torture publique, c'est concerné sa Jacques Choiseul. J'ai eu la torture sans assise politique et nous souhaitons des missions pour mener le pays à nos élections. Scoop! Scoop! Il y a Ariel Henry qui fait partie, qui te fait partie du conseil des sages à l'époque. Nous souhaitons déclarer et m'a dit nous ça, M. Dédi. Il y a besoin au minimum 9 mois pour organiser l'élection législative à l'époque. Et c'est ce même Ariel Henry aujourd'hui qui est premier ministre. Vous comprenez, Mario. Bon, tout le monde saisit le réagir à la torture, pas d'une base. Et puis c'est à la torture qu'il a choisi. Mais il faut te comprendre pour qui ça agira. Je dis pour qui ça agira. C'est aujourd'hui à ma vie. Parce que. Sous pas non, côté information, ou pas parler à moi. Non, vous pas parler de ça, mais parler. Votre j'ai la tortue. Scoop. T'es qu'on voit quoi, bah, l'opposition. Contre Aristide. Ça veut dire, monsieur, qu'on a participé sur le plan financier. Ça veut dire, monsieur, a financé le mouvement. Donc, on a choisi. J'ai la tortue comme expert international, etc. Mais l'opposition n'a pas qu'à dire parce qu'on est M. Dabdekom. Vous avez acheté le pouvoir. Donc, ce monde pas là, vous comprenez ce monde pas, et vous parlez ça plus devant. Et c'est ça que fait. Le gouvernement, je vais avoir fait avec Boniface là, ou bien je vais avoir comme ministre des Affaires étrangères, qui demande le mouvement anti-Aristide Gadou. Mesdames, Mme Félo, qui est le ministre du commerce, qui est le groupe 184. Pierre Bouton, qui est capteur dans le groupe 184, qui est le ministre de l'éducation nationale. Bernard Gousse, Zemil, Frem, qui est le ministre de la justice, qui est conseiller dans l'affaire juridique dans l'affaire 184. Et finalement, la grande dame, Magali Komodeli, qui est le ministre culture, qui était le même monde qui fait adhérence dans 184. Donc, nous qui te donnons la vie, il y a un verset qui, le premier voix, c'est le démarré. Et qui va venir? Et qui te très frustré? Et même policiers, même militaires qui t'ont accompagné Guillaume pour faire mouvement, ils comprennent, ils ne pas mettre nos situations de bien-être, etc. Mais ça, ils ont exclu, ils ont humilié. Scoop. Et au-delà de ses postes ministériels. Plusieurs personnalités du secteur privé, je vous regarde droit dans les yeux, ont eu des privilèges inimaginables. Ont eu des privilèges inimaginables. Haïti débat. Haïti débat. Scoop!
ils ont eu des franchises pour ne pas payer rien pendant des années. Ils ont eu des contrats pour faire ça ou venir dans le pays. Ils ont des contrats pour bah, la police manger quand il a fait plusieurs millions de dollars. Et il a fallu l'arrivée de Mario Andresol comme directeur général de la police nationale pour te dire bagaille, ça n'est pas capable de faire. Parce que au seul monde pas qu'à tout contrat dans la police là. Donc, monsieur Choua cherche l'autre monde, il fait appel d'offre pour le bail l'autre contrat. Pendant ce temps, Guy Philippe pas de gagne. Mais ça revient super riche. Donc, là, ici, des partis. Haïti débat. Statu quo là, maintenu. Mais comme nous t'ai toujours dit, pouvoir de changer de main, mais ne pas changer de maître. C'est même maître qui prend pouvoir. Et quitter l'envers cette titre. Pendant que ça, Guy se retrouve sans pouvoir. Sans poste. Et probablement sans argent. Scoop. Et il t'a exprimé frustration. Et comme j'étais directeur de l'information de CIA-FM et présentateur de l'émission que les Haïti aujourd'hui, Guy était venu tout le temps dans la radio ça. 90.5. Gros radio à l'époque, chargé écoute à l'époque, pour expliquer, Guy a expliqué son album, ses frustrations, et dénoncer ses frères, mais qui tapait de lui. Il a dénoncé eux, et il a accusé de conzé. Val. Val. De conzé. À preuve, Guy Philippe, dans la dynamique de dénonciation, Haïti débat. L'annonce, nous serons des révélations. Nous rêvons que le tableau de cru, qu'il y aurait le temps des chiens. Que l'annonce sous signal Namiko. Le temps des chiens. Jusqu'à présent, Val, Davidson, j'attends encore la publication de cet ouvrage. Le temps des chiens, parce que j'aimerais bien identifier ces chiens. Parce que le temps, pour moi, est révolu. Guy doit revenir sur le temps des chiens, parce que les chiens sont encore là. Nous tendons à boire maillot de ces chiens-là. Mais je pensais que Guy allait les nommer. Mais jusqu'à présent, Guy pas fait. Et c'est une question que Guy doit répondre n'importe qui l'est. Peut-être qu'il a ses raisons. Ouais. Mm-hmm. Le temps des chiens. Bon. Et par la suite, vous venez dans le pays à tout une série d'informations concernant Guy. Et puis, opération qu'a fait de Guy. Pestel. Opération BLTS. Ça veut dire, grosse série d'informations. Nous n'a parlé, etc. Nous n'a parlé de Guy, etc. Parlé de Guy, etc. Vous voyez que je m'envoie des questions? Vous voyez que je m'envoie? Il a parlé de Guy! Parce que beaucoup, j'en mouais jusqu'à présent. Un nègre a arrêté et puis monsieur dit il te fait ça à Guy, il pas te fait ça à Guy. Non. Donc il va me couvrir dit. Nègre me continue dit, mais pas pour ça venir là. Il dit pour me dire ça me prenait. Bon, mais les opérations étaient dans le pays, me hélicoptère toute la journée de Guy, de BLTS, de Guy. Et puis Guy sous pression. Et c'était le silence. Le silence long du chef des rebelles, l'homme de 2004, je dirais. Si la paix à l'époque était considérée comme la figure emblématique de le mouvement de contestation de la rue de la presse, Guy Philippe était représenté le sauveur de l'opposition. Et pour la balance, Guy Philippe, son rebelle, son putschiste, Guy. L'ennemi public numéro un de la famille Lavalas, donc de Jean-Baptiste Aristide. Scoop!
si la balance perd du pouvoir, c'est qui? Évidemment, il faut nous connaître le mouvement qui est dans la rue, mais c'est qui? C'est Guy qui a renversé. Donc c'est Guy qui est mien. Après, vous ne pouvez pas Guy parler à Aristide. Même quoi? Et puis cette attitude. Mais qui était dans la rue, les mecs qui étaient pour Guy à l'heure, les mecs qui étaient pour l'heure, ils ont parlé avec Titi. Scoop! Scoop! Vous écoutez? Haïti débat. Scoop! Haïti débat. Donc, Guy, replié définitivement au niveau de la gouvernance. Et certains nous disent qu'elle toujours était pestel, les habitants ont été protégés parce que son papa lié, un peu le monde, les mêmes monsieur, etc. Ok? Et Guy vivait de là et le considérait Guy comme un leader incontesté. 107.7 FM. En 2005, lors de l'élection qui a organisé le 20 novembre, tu as gagné 32 candidats à la présidence. Parmi eux, qui t'aime citer certaines figures importantes et emblématiques de notre pays. Dumas Saint, Simus, vous devenez riche homme d'affaires, monsieur Tabu aux États-Unis, monsieur Vinotier, comme candidat à la présidence. L'esprit François Saint-Roch Maniga, notre Maniga. René Brézal, et parmi tous les candidats à ça, Guy Philippe, Rebelle Sauveur. Haïti débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez nous saluer. Merci beaucoup. Donc, pendant l'élection présidentielle, sa fête, Fabien Renaud, Guy, qui sauve PIA, qui met PIA dans leur dynamique, entre guillemets, elle me dit sauver PIA. Parce que bah, la valasse pour la valasse, Guy tue démocratie. Pour la valasse. Ouais, mais pour le monde qui est dans la rue, Guy finit sauver. Maintenant, élection faite, Guy fait 1,92% de voix exprimées. Soit 37 300 votants. Malgré aide qui était portée par le PIA pour le délibérer, entre guillemets. Malgré engagement que Guy était pour, il a déconstruit Guy. Mesdames et l'opinion publique. Et amis politiciens, ils ont dénoncé Guy. Et peuple à l'époque, scoop, scoop, n'avait pas vu en Guy un président. 107.7 FM stéréo. Haïti débat. C'est mon point de vue, ma bain, non? Monsieur va voter. Haïti débat. Il va voter. Ma, depuis, j'ajoute. Malheureusement. Donc, vous avez dit malheureusement. Parce que, par contre, ça a dit avoir comme résultat. Mais tout le monde qui prend pouvoir après ça, moi, ça va pas. Donc, maintenant, qui s'agit nous, on va s'en faire. L'homme dit malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de dire en faveur de qui. Mais qui pas prend pouvoir. Mais tout le monde qui prend pouvoir, je dis à remettre dans une situation. Pays à genoux, la faillite. Donc, et pays à genoux, si mal que ça. Nous ne pouvons pas dire ça, Guy. T'as capable de faire. Et c'est pour ça que j'ai ajouté malheureusement. Okay. Donc, aïe. Comme si allez nous que sous président Joseph Briver, chef rebelle là, il est accusé parce qu'il dit qu'il était mené en attaque sous commissariat de CAE. Nous sommes par ça. Date ça, c'était 15 mai 2016. Et Guy, il était invité, monsieur, commissaire gouvernement Jérémien, monsieur le Roosevelt Zamor. Il était convoqué Guy boudé convocation. Ah oui, non? Guy fort. Boudé convocation. Par la suite, il y a un mandat. Le chef paquet au Kaila, Benoît Noël Voué, Guy boudé. Bon. Ayant vécu une expérience électorale humiliante. Même désastreuse. Catastrophique. Guy. Un chef de guerre intelligent. Monsieur le seul dans les élections sénatoriales de 2016 sous la bannière du consortium des partis politiques alliés du PHTK. Haïti débat.
Scoop. Pendant l'élection ça, on te dit de pas aller 20 minutes là. On a aller. Pendant l'élection ça, monsieur, il a été élu sénateur de la République parce que monsieur fait 22,49% des votes. Monsieur Batsorel, monsieur Brun devant Sorel. Selon procédure, gapo ko gen moun ki joue mais commencé gen moun ki pas jouer là. Selon procédure, une fois que candidat élu, candidat fin élu, scoop, faut rentrer Port-au-Prince pour aller dans conseil électoral là pour recevoir certificat. Là il finit son certificat, là descend le parlement pour la prêter serment. Et pour qu'on finisse, non? Et nous, ça, il doit être une décision de commission de validation qui a créé un don. Les commissions de validation finissent valider pour voir monsieur. Et c'est là ça, monsieur a bénéficié de l'immunité. Vous entendez ça, Mabdia? Oui. Donc, dans le cas de ça, selon parlementaire, selon spécialiste parlement, selon constitutionnaliste, Guy a été un sénateur élu, non assermenté. Il ne pouvait pas bénéficier de l'immunité parlementaire. C'est peut-être à cause de ça qu'il fait le table suivi pendant longtemps comme ça pour qu'on arrête pour tout ça et pas qu'on fait parce que les ça n'ont pas arrêté Guy. Non, même si c'est-à-dire, il faut réserver son palais. Voilà. Non, non, c'est pas oublié, non. Guy a foué pas même bagaille. Guy a foué pas même bagaille. Nous avons fait une émission sur ça. Maintenant, à rappeler que Guy lui-même, il était informé que le connaît qu'il va l'arrêter. M'a tourné sur information que le débat est déjà. Hervé Foucan dit ça. Directeur général de la police a dit ça. Lui-même, il connaît ça. Il était voyé. Sécurité que le connaît dangereux de Gazam a lâché des bagailles et puis Guy marchait, Guy vint là sans être invité et Guy sorti là pendant la sortie. Nous connaissons, il a été Guy en héros. Ajoutez vous parce que si on te prend Guy ou l'autre côté, peut-être que tu dois dire échange de tir, Guy mourut. Donc Guy choisit côté pour arrêter là pour gagner la vie. Sénateur élu. Monsieur passe son temps très court dans le CPJ et extradé M. Val aux États-Unis pour être jugé. Malgré l'intervention du sénateur, a dit Lambert, Youri, tout le monde qui était là. Il a fait plus pression, grand corps a fait pression sur la police, mais PNL n'a pas bougé et a transféré Guy aux États-Unis dans le pays de l'Oncle Sam. Et nous connaissons l'histoire, Guy plaide coupable. Il est passé 6 ans dans la prison après avoir probablement collaboré. Parce que tu as fait quelques temps, il a collaboré, il fait 6 ans. Et après 6 ans, il a libéré monsieur. Et il a déporté en Haïti, le gouvernement n'a pas de quoi accepter. Finalement, il a déporté Guy, Guy entré. Le Guy entré, il faut titan en ICPJ, etc. À bon titan, et puis il a Guy. Et Guy est sorti. 6 ans dehors du pays, mais Gombara est bondi. De la prison étant, Guy réalisait plusieurs émissions de radio avec des journalistes internationaux et des journalistes locaux. Donc, quoi? Pendant que je suis en prison? Donc, Guy toujours gagne information 1 et des relations avec le peuple. Parce que le balai. Il est vivant. Et vous comprenez qu'on aime galère. Monsieur est vivant dans la mémoire, peuple. Et qui ça fait, qui fait dans toute déclaration? Qui toujours dit, c'est abus que vous faites. Et vous comprenez, peuple, là, vous avez dit, Guy, montrez que nous sommes victimes. Mais dans le discours, il y a raison. Le discours à le faire, c'est pour changer l'opinion publique là, pour le mettre en faveur, pour qu'à sauvegarder l'image
que certains mountaini selon lui-même parce que mounio hostile avec et son gros bagage en communication politique que nous connaît comme il se fait parce que s'il pas de me parler elle t'a plagué il pas même bagage monsieur entretenu de relations avec le peuple là. Mais tendez-nous, c'est bizarre, très bizarre. Pas de aucun prisonnier qui compte bénéficier de traitement ça si on prend pour des bagages comme ça. Mais imbécile, je ne suis pas un ignorant. On y a pour nègre, pour drogue, assassinat, bah, tout bagage ça. Et puis, monsieur, en téléphone, belle émission, monsieur, ici, belle émission. Bon bagage qui passait. Guy était donc, bah, on s'est passé à nous, mais ça m'a dit, là. Guy était un prisonnier privilégié et spécial. Et ça veut dire ce que ça veut dire, puisque les faits sont là. Scoop. C'est le palais. De retour donc en Haïti, Guy font tourner dans la grandesse. Il profitait pour faire déclaration. Il demandait pour faire révolution et il demandait pour Ariel Ali. Révolution, Guy. Pour Ariel Ali. Et déclaration et tout ça qui a fait, il a situé nos contextes de négociation non abouti après plus d'un an de dilatoire entre la primature, entre les gens, les partis politiques qui étaient signés à quoi 21 septembre, etc. Ok? Et Montana, etc. Fritz Jean, tout le monde s'est rendu à Michel. Dilatoire! Rien va jamais sortir. C'est dans le contexte ça qui est rentré. Guy est donc venu, plus classique, dans un contexte d'opposition de salon, d'opposition d'échange de mots et de paroles. Vous écoutez votre avec des mouns qui n'ont aucune force, qui n'ont pas représentatif. Scoop. Ou opposition qui n'a pas un centième de pouvoir de convocation que Guy a gagné en 2004. Absolument. Bon, pour Guy, il n'y a pas de leader. Le terrain est complètement vide et vidé. Qui s'est gagné aujourd'hui, selon Guy? Kidnapping, vol, viol, assassinat, Mounka Pati, Biden, vie chère, désespoir, bandit a fait la loi. Et le peuple, dans son immense majorité, est comme toujours, l'abtan ou leader, l'abtan ou sauveur. Donc, qui ça peut pas besoin? Un minimum de sécurité pour le capable de stabilité, pour l'avancer. Et il vient avec ce discours. Et il est venu avec ce discours. Merci, tu as compris et tu es en train de suivre. Et Michel Leclerc m'a cité. Si des volontés politiques, problème ça, ça me dit là, m'a résoudre en 3 mois. Et ça, Guy dit. Guy, touché, principale préoccupation de population dans le contexte ça, je dis. Et comme c'est sa pays a besoin de sécurité, Guy est donc en quête d'une construction d'une nouvelle légitimité et pour arriver. L'utiliser et instrumentaliser la problématique de l'insécurité. Il est en train de construire son virage en utilisant la thématique de l'insécurité. Nous avons fait le virage. Bon, virage ça, il fait peur. Et c'est un discours qui attire, puisque M. fait avec force, conviction et détermination. Élément important ça, dans sa qui rentre, sous question de sécurité, et monsieur a attaqué le pouvoir, il n'a pas attaqué les opposition, monsieur a tout cassé la négociation, nous n'avons pas besoin de parler de bail comme ça encore. Parce que c'est lui, le chef des rebelles, c'est lui le révolutionnaire aujourd'hui. Pas qu'à faire Montana ou à faire Chita sous table encore. Pas de bail comme ça encore, parce qu'il y a Guy. Guy, encore une fois, qui va une manifestation pacifique qui est venue. Avec la thématique de révolution
pour tenter de changer et influencer les données politiques. Nouvel élan de Guy. Maintenant, dans le discours ça et dans la dynamique ça, Guy a éliminé Montana. Il diminue terriblement le premier ministre Claude Joseph. Paquet leader. Monsieur éliminé le don au revers de main parce que le premier ministre ça, lui font déclaration, il attaque le premier ministre, il diminue le premier ministre parce qu'il dit la pantane avec le premier ministre Ariel Henry. Donc, divine point, on dimension, et puis, comme monsieur a fait monde, attaqué monde, monsieur, allo cap, etc., mais pour cap, on l'a pas écrivé, allo cap, etc., ah, monsieur, commencez, bah, Moïse, problème, et ça fait Moïse Albalea. Sortir. Moïse fait que sortir, parce que vous remarquez que la paix du monde. Paix du monde. Exact. Bon, Moïse Jean-Charles, commencez, promène. Et puis je suis attaqué à Ariel de manière frontale. Guy fait tête y passer, et c'est ça que nous comprenons, comme le principal leader de l'opposition. Et du coup, Guy a pas avancé d'un cran vers la prise du pouvoir dans le cadre de ce qu'il appelle la révolution. Scoop! Scoop! Haïti. Maintenant, sans le vouloir, je suis obligé de le dire. Intéressant. Haïti hein? Débat. Guy réduit l'importance de l'opposition dans l'opinion publique. Non sens qui rend Ariel service. Ah bon? Mm-hmm. Parce que qui retire sous table là. Ou paquet leader. Ariel est sous table pour continuer. Et ça fait que tu l'élimines Mounio. Kounéa. Comme c'est qui retire Mounio, il a fait une rumeur à courir sous gris que Guy a monté sous table là et que le mandat ministère. Parce que pas que l'autre monde sous table encore. Oui, mais ça a doit pouvoir faire. Oui, mais ça a doit faire l'autre monde politique que Guy pousse. Scoop. Tout côté. L'université Guy tout. Vous comprenez pas ce que la politique a fait. Mettre une table à vide. Guy, c'est principal, parce que vous n'avez pas vu Chita Rodia pour dire faire négociation, pour pas faire appel à Guy ou à Mounka Guy, parce que c'est Guy qui est force de frappe là encore une fois. Oui. Ce n'est pas important, comme je dis là. Parce que c'est Guy qui a mis Moun dehors, c'est Guy qui demande à Moun, ferme les bureaux, ferme tout le bagage, Guy a marché, pas que Moun qui a fait. Donc, c'était Moïse qui a fait. Mais Kounia, est-ce que Moïse qui a joué pour le faire pendant Guy là, si Guy n'est pas d'accord, il y a un gros problème. Parce que Guy est le chef de l'opposition incontestablement aujourd'hui, sinon pour le moment. Hein? Maintenant, Guy renforce Ariel. Haïti débat. Maintenant, question m'a posée. Haïti débat. Guy a-t-il le profil? Est-ce que Guy a des crédibilités? Est-ce que Guy a des tempéraments? Est-ce que Guy gagne bénédiction des forces incontestables de l'international pour le monter sous table là? Question à poser. Question à poser. Parce que Guy doit gagner force à lui, mais il faut monter sous table là. Seul Guy, je dis, a des forces de frappe que le gagne dans la rue. Parce que je ne vais pas oublier, M. Dinou, le métier des armes. Et M. Gompaquet, je ne vais pas parler de Bessap. Je ne vais pas parler de Bessap, même ça ne va pas intéresser. M. qui est force de frappe. Parce que l'MD ou Gap Sotia, je vais connaître Bessap et seulement avec. Je ne vais pas parler de tout le monde avec. Ouais? M. qui est monde qui avait. Peuple a cru aujourd'hui que Guy pas seulement ou n'est qu'à parler. Même j'ai avec mon. Oui, j'en ai aussi la femme cité. Oui. Nèg mou di yo comment relé et André Michel comment relé SDP ou bien Moun Mondana ou bien Claude Darren etc. Nèg ka parlé parce que nèg sa yo nèg sa on ba pacifique peuple a croire que Guy pas on est ka parlé Guy est également un homme d'action parce que Guy prend âme déjà exactement donc peuple a cherché libération.
N'importe monde qui a fait même la guerre peut pas marcher dehors. Parce que le peuple a voulu, même s'il n'a pas une solution, mais il a besoin d'un espoir. Et c'est Guy aujourd'hui qui est porteur de cet espoir. Haïti débat. Attention, Guy doit être prudent. Ah bon? Évidemment. Oui, là, moi, dis-moi. À cause de ces contraintes, Guy Guénois, par monde, qui est arrivé à la tête du pouvoir. Contraint de toutes sortes. International, comme vous dites. Opposition, pas bien. Ouais. Et toute combine qu'a fait contre monsieur, ça veut dire Guy doit être prudent. Et puis, il faut monsieur régler des mêlés le gain avec international là. Il faut la clarifier. Je prends un exemple là, même après deux exemples, je vais prendre des mounions, excusez-moi si je prends un exemple, mais comprendre ça, je vais dire. Si c'est Jacques qui lui marque, Scoop. Ou bien Gardier Leblanc qui ne place Guy, il a plus légitimité pour ne pas pour pouvoir nommer Ariel. Ah oui. Nous comprenons? Ça veut dire. Haïti. Faut qu'il bataille pour le prendre. Mais si n'est-ce pas une popularité, tu es là, et force de frappe Guy, Blanc tape d'accord rapidement pour changer Ariel, pour avancer n'est-ce pas, parce que n'est-ce pas offre une image pacifique, et n'est-ce pas c'est allié Blanc et tout. Guy, pourquoi allié Blanc, dans ce sens ça que n'a pas là. Comprendre, mes amis. Haïti débat. Haïti débat. Opposition. Il va jamais soutenir Guy. Et faut Guy éviter une nouvelle fois pour ne pas manipuler. Et pour cette fois-ci, il ne pas reprendre le pouvoir. Non, mais encore, pendant faire mouvement ça. Pour même bail 2004, pas arriver. Val. Devant la popularité de Guy, vous remarquez que les critiques se taisent. Qui conteste ça? Non, il y a un qui vient jouer Guy. Ou dit qu'il barre une radio. Ou pas, parce que pas qu'il y a des gens. Ou pas, parce que ça. Seul nèg qui tentait du bail de guerre, puis dit Albert dans Rivière Glace. Il m'a rébut. Il dit Albert. Mais attention. Il fait attention. Hein? Il fait attention. Il est très prudent. Parce que Guy a fait n'importe qui bail. Ouais? C'est lui. Mais après ça, tout le monde s'appelle Boucho. Et ça fait Guy qu'on est le chef de l'opposition. Hein? Parce que personne n'a pas qu'à faire ça l'affaire.